Hello tout le monde! Comment ça va sur le campus de la Salty Academy? Vous avez passé une bonne journée? Hein? Et surtout, vous avez passé un bon lundi puisque j'étais pas là hier. Bonjour! Bonjour Carla! Salut Suri! Salut Whisky! Salut Zerosk! Salut Seraph! Bonjour Greg! Bonjour Wisebot! Merlazy! Nova Sicarios! Seb! La Puerta 51, Mango, Bogboss, TTV, Gawins, Dark Spetnaz. Arthur Rambov, passé droit au campus. Bonjour Arthur, bonjour Gabin, bonjour Desert Eagle, bonjour Massi, bonjour Vitalitilus, bonjour Omai Ella, bonjour Tixito, bonjour Mary's Blood, bonjour Matteo, bonjour Fufu, bonjour Ostium, bonjour Young Mizu, It's Benny. Seraph TV, H2O, T-Bag, Ney, Quata, Fakosher, Alex BRD, Vtomi, Spire Online. C'est bon, j'ai fait tout le monde. Je commente. C'est bon, j'ai fait tout le monde. Raptor, allez, rentrez. Bon alors, comment ça va tout le monde? Bien ou quoi? Vous avez passé un bon week-end? Enfin, bon week-end, j'étais là samedi et dimanche, mais hier, j'étais pas là. Hier, je n'étais pas là. Attendez, je vais mettre de la musique. Oui, bon. Même si j'ai mal dormi cette nuit. T'es chaud ou quoi, là? Pas du tout. Absolument pas du tout. Petit camping à la plage, et toi? Camping à la plage? En mars? Putain, la vache. T'as fait quoi de beau hier? Hier, je suis allé me faire masser. Non, sérieux, je suis allé faire un petit... ça devait faire... Exactement, je me suis dit, putain, ça fait 3 ans que j'ai pas fait ça. Et donc, du coup, les pieds, ouais, les pieds, tout. Hein. Tout sauf la teub, en fait. Non, mais en vrai, c'est la seule partie du corps qui n'a pas été massée pendant ce massage thaïlandais. Ce qui ne fait pas, du coup, c'est pas un vrai massage thaïlandais. Mais voilà, quoi. Massage Tinder. Non, vraiment. Vraiment. Un vrai massage thaïlandais pour le coup. C'est con ça. Je me la bute sur Cyberpunk. Il a l'air incroyable ce jeu quand même. Je suis vraiment passé à côté de quelque chose quoi. Et là c'est l'autre là. Tout le monde est en train de parler de Dragon Dogma en ce moment là. Il a l'air sympa aussi. Massage avec finition. Non ça existe que... Ça c'est que en Thaïlande. Non c'est un faux du coup. Pas de finition zut. Non mais vraiment c'était vraiment incroyable. En revanche le prix... Putain la vache. Quand tu sais qu'en Thaïlande... Parce que la nana était thaïlandaise pour le coup. Donc on a parlé puisqu'elle venait de d'Ayutthaya, voilà. Enfin la patronne du salon, mais c'est un salon plus, hein. C'est pas un vieux truc, voilà quoi. Hein. Mais quand tu vois les prix en France versus là-bas, ça existe large en France, c'est juste que t'as pas voulu rallonger pour la finition. Non. Non là c'était vraiment un truc plus, genre 120 euros le massage de 1 heure. J'avoue que... Ah ouais, à la fin, t'as mal au dos, mais t'as surtout mal au cul, quand même. Quand j'étais en Thaïlande, les massages, c'était vraiment rien du tout. Ouais, ça coûte rien. Là-bas, je me souviens que c'était genre 5 euros de l'heure, tu sais. Oh là là, je pense que j'en faisais tous les jours. Tous les jours en Thaïlande. C'était tellement bien. Genre vraiment, quoi, le bon massage thaïlandais avec le coude et les genoux, là. Ça fait cher, MDR. Tu parles la langue, Six. Thai Mai Dai. Nit Noi. T'as vu? C'est impressionnant. Je parle un peu thaï. Attends. Noon, son, sa, si, ha, ho, tet, pe, kao, sip. Voilà. Je sais compter en thaïlandais. Merci, 23 mois de frais de scolarité et pour les de la part de Nano. 6129-23, passez droit au campus. Oui, le bon massage thaïlandais avec boum boum à la fin. Non, il n'y avait pas de boum boum. C'est tellement agréable que je m'endormais et la dame me frappait pour me réveiller. Ouais, c'est pareil. Moi aussi, je me suis endormi comme une merde. À un moment, elle te fait « Monsieur ». Et à un moment, il faut se tourner, quoi. Ouais. T'as eu la maintenance? Comment ça, la maintenance? Je sais pas, les gars, je viens de lancer le jeu. Enfin, je vais lancer le jeu. Je lance le jeu, maintenant. Une fois en Thaïlande, j'ai fait un massage, j'ai reçu un gland entre les deux omoplates. Ah ouais? Ah, c'est sympa ça. Eh, je suis en train de tester leur nouveau Oli qu'ils m'ont envoyé là. Oli à la bière. On dirait vraiment une bière le truc. Mais non, point d'exclamation, H-O-L-Y.
C'est citron miel. Bah c'est incroyable. Genre c'est vraiment super bon quoi. Je sais pas comment ils font à chaque fois pour faire des trucs où il y a pas un il y en a 4 ou 5 quoi, les grands max 4 que j'ai pas du tout aimé quoi. Mais c'est rare d'avoir des un vieil arrière-goût ou un truc comme ça quoi. Bon visiblement il y a une maintenance que le jeu il se relance. Ouais. C'est quoi la gamme hydratation? Non, c'est la gamme Ice Tea celui-là. Celui-là c'est citron c'est quoi le goût que tu recommandes? Je ne peux pas recommander de goût. Tellement déjà les goûts par définition c'est extrêmement subjectif. Et en plus je peux pas recommander de goût pour la simple et bonne raison que il y en a que vous risquez de pas aimer quoi. Enfin ça revient au point numéro 1 en fait, c'est subjectif quoi. Donc le meilleur des trucs c'est de prendre le pack découverte parce qu'il y en a vraiment beaucoup dedans et après tu te fais ton propre truc quoi. C'est complètement con de commencer avec un pot qui va te coûter Cool. On peut acheter le pass jusqu'au 21 mars 2023. Ah, on est le 26 déjà. Puis on est en 2024 quoi. Un an de retard. Le Oli pêche t'es noir. Mais ils sont trop bons hein. Vraiment. Qui est-ce qui est passé chez Oli? Qui est-ce qui consomme du Oli dans le chat? Moi. C'est bon hein, franchement hein. On est d'accord, les produits sont quand même vachement bons, quoi. Genre, vraiment, hein. J'aimerais avoir la possibilité de passer pour ne pas passer pour un vendu. Et donc, en vous disant, ouais, ça, j'aime pas. Ben, en vrai, je dis, il y a trois goûts que j'ai pas aimé. Voilà, quoi. C'est cher, Oli. Bah, c'est cher. C'est... Je pense à voir, hein. Mais ça revient. On avait fait le calcul une fois, ça revient à moins cher que si t'achètes du Coca ou du Red Bull, quoi. Après, si c'est cher par rapport à quoi? C'est cher par rapport à de l'eau du robinet. Oui, ça c'est sûr, par exemple. Voilà. Si tu bois jamais de soda, si tu bois jamais de soft drink, si tu bois jamais d'eau pétillante et si tu bois que de l'eau du robinet, voire même que de l'eau plate, ça doit revenir à moins cher, forcément, tu vois. Voilà. J'ai arrêté les autres boissons du coup, moi aussi, depuis décembre 2022. J'ai pu acheter une bouteille de citron machin, Contrex, je sais pas quoi, ou d'eau à la fraise, ou je sais pas quoi. Voilà. Vraie question, pourquoi en boire? Bah, pourquoi en boire? La vérité, c'est que... Mis à part après avoir fait du sport... Mis à part après avoir fait du sport, l'eau, c'est pas bon, tu vois. C'est pas ouf, quoi. Tu vois. Il y a pas un moment où je me dis... Voilà. Donc, soit je suis dans une logique, dans ce cas-là, où en fait, je bois de l'eau quand j'ai soif. Mais du coup, je suis pas forcément dans une logique où je m'hydrate assez. Alors, il y a pas mal d'études scientifiques qui prouvent que le truc de dire « Ouais, faut boire un litre et demi, etc. par jour », c'est du bullshit. Genre vraiment en fait. Il n'y a aucune vraie étude scientifique qui prouve qu'il faut boire un litre ou deux litres par jour. C'est du fucking bullshit quoi. La vérité c'est que le corps humain il est pas trop mal fait et qu'en règle générale faut boire quand t'as soif. Waouh, grosse découverte. Mais ceci étant dit, moi quand je joue à des jeux vidéo, quand je reste devant le PC et quand je suis devant un écran toute la journée, moi j'ai vraiment des grosses migraines. Genre vraiment des grosses migraines si je bois pas assez. Et c'est vraiment des grosses migraines où... Enfin voilà quoi. Il y a un an et demi, j'ai terminé aux urgences de Nantes quoi. Genre le truc comme ça quoi. Genre à passer 24 heures sous perf quoi. Parce que genre vraiment, genre indice de douleur 8 sur 10 quoi. À vouloir à imaginer des trucs assez sombres tu vois. Genre j'ai envie de me tirer une balle tellement j'ai mal à la tête quoi. Voilà. Donc maintenant je fais hyper gaffe à ça et je bois énormément en fait. Donc... Le fait que ce soit un peu sucré, forcément, ça favorise le fait de s'hydrater. Parce que, mine de rien, tu bois de la flotte, quoi. Hein, c'est quand même 98% de ce que tu bois, ça reste de l'eau, quoi.
Voilà. Et je sais que si je remplissais la même gourde avec juste de l'eau et sans un truc un peu, j'ai envie de dire ludique en fait, tu vois, un truc un peu festif, je boirais pas en fait. Je boirais pas assez quoi. Je boirais que quand j'ai soif et il y a de temps en temps, mon cerveau me rappellerait que il a besoin un peu plus d'eau que quand j'ai soif en fait. Voilà. Je bois presque 3 litres par jour. Non mais après, bon, l'avantage de boire de la flotte, c'est que tu peux pas vraiment, tu vas pas faire un coma hydraulique quoi. Tu vois, voilà, tu boire trop d'eau, c'est pas problématique quoi, tu vois. Bon, à moins d'avoir un rein qui est un peu dans la galère et qu'il faut pas faire trop travailler, voilà. Merci Nizoka d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leurs droits pour Roi Gilles, Nico, Notsu, Octagi et Greg qui se font tous payer leurs droits grâce à Nizoka. Envoyez plein de jujip à Nizoka qui en plus se paye ses droits de scolarité. Merci SP Spectral ou SPCTKL, nom de Dieu, pour les 7 mois de frais scolarité. Merci Nano pour les presque 2 ans, un monstre. Ouais, voilà. 2K78 paye ses droits au campus. Oli, est-ce que c'est avec du faux sucre? Ouais. Il me semble, ouais. Faudrait regarder le truc. Roi Gil passe ses droits au campus. Regardez le truc, les gars. Ne vous laissez pas influencer par des influenceurs. Prenez 3 secondes pour regarder ce qu'il y a derrière et voyez si ça va avec ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez au final. C'est quand même pas dur à l'époque dans laquelle on est de checker les ingrédients et en particulier bon, les 5 premiers, tu vois, puisqu'ils sont par ordre d'importance et de grandeur, d'accord. Donc souvent le premier ingrédient il compose déjà plus de 50% de ce qu'il y a dans un truc quoi. Voilà, le septième ingrédient, colorant alimentaire de carotte, bon tu t'en fous, ça c'est pas vraiment très grave quoi, mais tu regardes et puis voilà quoi. Faut pas se laisser faire avoir par le packaging et le marketing quoi, faut regarder ce qu'il y a derrière et puis en avant quoi. Du faux sucre, c'est limite. Il y a toujours 2 débats par rapport à ça. Hein. C'est pas de l'aspartame, déjà. Mais il y a toujours 2 débats, ouais. Il y a toujours 2 débats par rapport à ça. Est-ce que tu préfères... Le débat, je le fais avec beaucoup de second degré, mais bon, tu préfères quoi ? Être addict au sucre et obèse ? Ou est-ce que tu préfères mourir d'un cancer ? C'est un peu ça, quoi. Ce dont on entend parler depuis pas mal d'années maintenant. Hein, sache que je vais venir jouer avec toi ce soir, ça t'évitera de tilter. Vas-y Nano, tu forces trop frérot. Level 100 sur 100 tiens. Putain, qu'est-ce qu'il est casse-couille quoi. Ça m'évitera de tilter quoi. D'où ça m'évite de tilter. Je peux pas ne pas tilter, mon gars. Le fait de venir avec vous, je vais encore plus tilter. Et après, les gens vont se dire « Ah ouais, 6-4, c'est vraiment un connard, en fait. Parce que je vais t'insulter de tous les noms, en fait, si tu fais de la merde. » C'est aussi simple que ça, tu vois. Alors que quand je pars avec des randoms, en règle générale, j'ai passé l'âge d'appuyer sur le micro pour les insulter, quoi. Tu vois ? T'as déjà testé le truc, ouais. Ils m'en ont envoyé une fois, là. J'avais pas du tout aimé. Voilà. Bon, après, les goûts et les couleurs, une fois de plus, hein. Mais c'était le premier truc qu'on m'avait envoyé, c'était Level Up. J'avais pas du tout aimé. Je trouvais que le produit était pas bon. Et après, quand Oli est venu me voir, je leur ai dit, bon les gars, je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, écoutez, moi ça m'étonnerait. Déjà, les boissons énergisantes, j'ai pas envie d'en mettre en avant dans mon stream. Donc bon, voilà quoi. Et ils m'ont dit, si, il y a une gamme Ice Tea. Et je lui dis, ah, ok. Donc je me renseigne, je regarde la composition. Qu'est-ce qui fait que c'est... Voilà, nanana. Donc c'est pas mal de café au final. Bon, je me dis, ok, ça va le faire. Je leur dis, écoutez, vous m'envoyez un colis, je teste pendant tout le mois de décembre 2022. Rien, je paye rien, je teste. Et si ça me va, si je trouve ça bon, voilà quoi. Parce que moi, il y a un truc qui est simple, je peux pas mentir par rapport à un produit quoi. Si j'utilise pas un produit, je vais pas en faire la promotion, c'est pas possible pour moi. Après, je vais me dire... Après, ça peut arriver, genre un jeu vidéo par exemple, où je vais jouer un peu, je vais trouver... un intérêt, faire preuve d'empathie par rapport à des gens qui pourraient être intéressés par ça, quoi. Mais en règle générale, bon, voilà, quoi. Mad Monk, par exemple, me proposait un chèque, un gros chèque, quoi. Hein, Mad Monk, là. Genre, enfin, un gros chèque, c'est pas énorme, mais on parle d'un truc, on parle de 1000 balles par mois, quoi. Et j'ai dit non, par exemple. Parce que je trouvais ça pas bon, en fait.
truc des compléments alimentaires, c'était marketingment parlant, c'était intelligent, hein, mais franchement, c'était un peu de la merde. Droit au campus. Mad Monk. Mad Monk, tu remplaces le K par un Q. Mad Monk, tu en as pas entendu parler ? Ah, quand même. Merci Steffi Veil pour les 3 mois. Merci Nouti pour les 5 mois. Après, bon, faut pas rester sur. Voilà, sur une première impression. Ça se trouve, ils m'ont envoyé le truc qui était pas bon. Ça se trouve, ils ont refait leur produit. Bon, voilà quoi. Mais bon, l'idée de faire un truc un peu. Là, c'est vraiment très marketing quoi. C'est de faire des pilules qui vont t'aider, machin. Ça va te booster, te truc, te machin. Ouais, ok, d'accord. Bon. En fait, tu vas regarder des procédés et après, tu les mets dans le monde du jeu vidéo quoi. C'est pas difficile quoi, en fait. Tu vois, et là-dessus, tu peux un peu raconter n'importe quoi quoi. Voilà, tu vas dire, je sais pas moi, les amandes, c'est bon pour le cerveau, donc c'est bon pour le focus, donc c'est bon pour l'aim. En soi, c'est pas totalement faux, hein. Mais bon, voilà. Mais Oli te paye un peu quand même. Oui, ouais, carrément. Mais c'était pas aussi intéressant que Mad Monk, d'un point de vue thune, pour le coup. Mais après, Oli, par exemple, il me paye pour mettre en avant leurs produits, une fois par mois, genre sur les... Enfin, d'avoir le code, déjà, et il ne m'oblige pas, par exemple, à en boire en live, tu vois. Il paye pour le fait que Oli apparaisse en bas, là-bas, quoi, tu vois. Ben, il paye pour la visibilité qui est donnée, quoi. Faut que je me chauffe, parce que j'ai pas joué hier. Training. Genre shooting range, ça pourrait être pas mal. Hein, parce que j'en ai marre des autres trucs. Mad Monk, c'est les pilules là ? Ouais. Mad Monk, c'est exactement ça. C'est les pilules. Ah, il va falloir que j'enlève. J'ai commencé à regarder les poignées et tout. Et les gens. Enfin. La poignée verticale, elle a pas vraiment d'intérêt en vrai. Sachant que ça permet de reload. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pas de poignée. Ça permet de reload plus vite, mais en vrai, on sent pas les couilles quoi. Il y a trop de moments. J'ai dû perdre des duels. Attends, je réfléchis parce que. Où est-ce que j'ai pu la mettre la poignée? Genre là, j'ai pu la mettre. En vrai, il n'y a pas d'intérêt, quoi. J'ai dû la mettre en attaque aussi. Bah déjà, les UMP, j'ai dû... Ah non. Bon, en même temps, pulse. Je vais repasser sur un truc plus standard, si je puis dire. Trop de fois où... Parce que ça augmente juste la vitesse de reload quoi. En vrai, bon, à part sur le BOSG, qu'est-ce que j'en ai à branler de la vitesse de reload quoi, en gros. C'est ça le truc. Où est-ce que je pourrais l'avoir? Là, il n'y en a pas. Tubara, ou là, il peut y en avoir une, mais je ne l'ai pas mise. Thorn, non. Qu'est-ce que je joue? Ça, je joue pas. Kaid, je peux le jouer. Mira, je peux la jouer. Vigil. Ok, bah non. We could be here all day. Yeah. Literally. Yeah. We are. Mute. Mais lui, il a pas de. Voilà. Elle est déjà intégrée. Elle peut pas s'enlever. Et je pense qu'on a fait le tour après. Là-dessus. Putain, j'en étais sûr. Donc si je l'ai mis là, je l'ai peut-être mis là aussi. Forcément. Yana, je la joue pas, on s'en bat les couilles. Néanmoins, on peut faire ça. Buck, il a rien. Ash, pourquoi pas. Ram, du coup, ça donne quoi. Ace, pourquoi pas. Mais non, je pensais que je l'avais pas mis. Nock, pourquoi pas, y a rien sur elle. Je crois que j'ai jamais fait un kill avec Nock tellement je pue la merde avec cet opérateur. Ça non. Fuse non. Sledge je le joue pas. La preuve. Euh,
Putain, ça, j'avoue que je joue plus Sledge, quoi. J'adorais jouer Sledge. Ibana, why not? Twitch, je la joue pas. Ah si, peut-être avec la 4-17 parfois. Gridlock, tiens. Ouais, j'en étais sûr. Sure, take a breath. No rush. Bah ouais, no rush. Fais pas yesh. Flores, non. Donc Thatcher, non pas. Bah si, tiens, tu vois. Comme quoi. Sense, je joue pas. Est-ce qu'il a toujours un kick horizontal, lui? Pour lui mettre un compensateur. Oza. Ouais, donc ça, ça sert à rien, par exemple, quoi. Et si je l'ai sur Oza, je l'ai sur Termite. Capitao, je le joue pas. Je le joue pas. Maverick, je le joue. Eh ben, je l'ai pas mis. Gridlock, nanana. Ram, je l'ai déjà fait. Nanana. Brava, je la joue pas. Pas assez, en tout cas. Je pense qu'on est bon. Finca, Lyon, ça, je joue pas. Je joue pas. Sofia, je joue pas. On peut regarder, mais bon. Je la joue pas, elle. Je la joue plus. Il a rien, lui. Oh, merci infiniment, Nouti, pour les 5 mois. Et merci Foxy Sims. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Il offre la possibilité à 5 personnes pour Pelouse Lama, Gijo Zetla, Lucas Deboyer, Blade et Yanis. Il leur paye tous leurs droits de scolarité. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Pour Foxy Sim, le monstre. Merci, poulet. Fuse, tiens. Nope. Fuse, quand on joue sur la Verti, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir de je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir ce genre de Blab tirer bas PC droit au campus. Marrant celui-là. Bon, vas-y. Tac 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 tac. Dip en lit 200, passer droit au campus. Barzabous, passer droit au campus. Wesh! Sgammer, passer droit au campus. Un JN? Ah non, c'est JN! J'ai eu peur, je pensais que c'était marqué JL devant. Et un JL avec de l'argent. On n'aurait jamais vu ça. Merci infiniment du coup, Nouti, d'avoir offert la possibilité à 100 personnes. 100 personnes. Leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Le putain de monstre. Envoyez-lui plein de GG. Faites un @gnewty, s'il vous plaît. Et envoyez-lui plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Le monstre. Il offre la possibilité à Dipanchu, Barzabout, Sgamer, Gamma... Enoch, Lefas, MyTech, Bichot, Zetad, Super Marmite, Fano, oui, Yukijo, Jusmika, NaceSGO, Yemi, Yasmo, le plus beau, non je pense pas, The LML, Nat, Jazair, Yosin, Guto, Biaxo, La Pulga, Cooks, Friette, Bayon Squat, Ranibou, Flary, Vex, Aku, DZ, Luri, Stormsol, C7, Matisse, La Tireuse, Pierrot, Aston, Blizz, What the fuck, 50 Sogeki, Matty Boy, Radan, Rat, Démoniac, Phoenix, Nathan ou Nutan, Jalil Victor, GTP, Quick Gun, Rzdei, Baptou, Moelleux, Elias La Limace, Pretoria, Crapaud Bleu, Gratigno, Chez le Psy, Roms, Azox TV, Glock NK, G-Scott, Kerib, Théolei, Basilic, Hugo, Somar, Mono, Le Fifou, Dunignetti, Fifou, attends, Filou Ranger,
Oreille, Guideo Games, Annie, Enigma, Xerox, Yayag, Spidix, Obam, Flikas, Manzerkel, Yaskanuki, Dabi, Nazy, Fenrir, The Fat Monster, Arturo Crypto, Sacha, Jova, Natarz, Antots, etc., Biddy Boy, E7X, Neox Fishing, Inked Hugo, Izes, Gohan, Inskol, Rezi, Frérito, Theos et Shadwu. Ouh, se font tous payer leurs droits de scolarité grâce à la générosité de cet homme. Plus beau PC droit au campus. J'avoue, c'est un petit peu a few moments later. A few moments later. 100 subs. Ladies and gentlemen. Envoyez-lui plein de GG, plein de cœur. Il est parti. Il dit rien. Il parle pas dans le chat. Nom de Dieu. Merci beaucoup, poulet. Ça me touche énormément. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop généreux. Du coup, tous ceux qui ont donné 5 subs avant... C'est sympa, les gars, 5 subs. Hein. Mais bon, vous passez un peu pour des fils de pute, quand même. Ah non, mais sérieusement, les gars, vous venez de me donner un curly et une cacahuète. L'autre, il arrive, sérieusement. C'est caviar. Caviar d'aubergine, ce soir. Tout travail mérite salaire. Merci, Nouti. Merci, mon poulet. Vraiment, ça me touche énormément. T'es un monstre. Ouais, je plaisante, bien sûr. Merci infiniment à Foxy et Nizoka aussi. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour le monstre. Regardez-moi tout ça. C'est bon. Du coup, j'ai fait mes subs de la journée. Eh ben, bonne soirée. Moi, je me casse. 37 minutes. C'était rentable. Ah. Mouti, tu veux pas faire ça tous les jours? Je fais 30 minutes de live. Et je me casse quand même. Hein, fin du live. Ciao. À demain. Allez, bye. Ok, merci Poulette. Un monstre, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, allez, let's go. Fred-Baez, PC droit au campus. Même pas besoin de se casser le derche. Nano va surenchérir. Les gars, Nano, ça fait genre 1000 ans qu'il a pas fait un sub ici. 1000 ans. Il se transforme en mairie. Il va le faire chez des streameuses. Voilà quoi. Et c'est à peu près tout quoi. La lutte passe droit au campus. Vex-bas passe droit au campus. Ah mais c'est infini, je suis bête. Actif-tien passe droit au campus. Bon, on se chauffe parce que j'ai pas joué hier du coup. Les ZR6 espèces droit au campus. Ah oui, quand même. Attendez. Il aurait passé droit au campus. Oui, allô. Storm Sol passé droit au campus. Trust your instincts, they'll get you there. Matisse Auger 77 passé droit au campus. La tireuse passé droit au campus. Zéro 17 passé droit au campus. Aston Tireba LGS passé droit au campus. Bliss Zebipab Life passé droit au campus. Fifties Ojaki passé droit au campus. Matibayi passé droit au campus. No rush. Radan Tireba 07 passé droit au campus. Merit is in the workshop for equipment evaluation. Ra 52 passé droit au campus.
démoniaque 01 passé droit au campus. Aistir et Baphéonix 54 passé droit au campus. NVTH 4N passé droit au campus. Mon banquier. C'est rare à dire, en vrai, mais je crois que c'est la première fois que j'ai un banquier sympa, quoi. Bah, un banquier qui fait son taf, quoi. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Où tu te dis, ok, la raison pour laquelle je paye un truc tous les mois, quoi. J'ai passé droit au campus. Il y avait des trucs à dire. J'essaie de lire sur l'élève, malheureusement pour toi, c'est que... Ouais, moi, j'ai rien à cacher, les gars. Il faut que je fasse un virement et leur site et le site internet de la BPGO, du coup, bug. Parce qu'il faut mettre les références URSAF dans votre truc. Et leur site internet, il bug. Et les mecs, ils me disent, non, mais il bug pas. J'aurais dit, bah si, il bug. Non, mais il bug pas. Et donc là, le banquier vient de m'appeler en me disant, ah, vous aviez raison, en fait. Ah bah, il y a des chances, frérot. Mais si, il faut reload, quand même. Drapeau bleu passé droit au campus. Take your time, we can run this all day. Yatine 0-bas passé droit au campus. Chez la psy passé droit au campus. Rome 19-bas passé droit au campus. Ouais, je viens de voir le Infinitamo On. Glockin passé droit au campus. Schkoast passé droit au campus. Ah, j'ai un truc qui me fait chier là. Est-ce que le pad de la souris est en train de mourir? Ah, c'est la petite étiquette qui frotte. On se parle. Ah, ça fait bizarre, ça fait cric 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 sur le clavier, je déteste ça. Mais sur le tapis de souris, mais je déteste ça, mais bon. Ah, j'aime pas ça. Bon, j'irai l'enlever tout à l'heure. Enfin, ça fait bizarre d'avoir le Infinitamo, du coup. Alors c'est sympa le SMG, c'est sympa le P90, hein, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça fait pas beaucoup de balles quand même. Quand le mec commence à être de loin. Ah ouais, putain, tu m'étonnes en fait que parfois tu laisses les mecs et tu te dis putain, mais il a sponge. Si tu mets pas la tête. Le fils 3131 passé droit au campus. Putain, ça, j'avoue que ça fait pas beaucoup de dégâts quand même. Dounetti passé droit au campus. That's a lot of shell. Putain, tous les subs poulettes est un monstre, hein, vraiment. T'as combien de balles, quoi? Si tu commences à... J'avoue que... P90, c'est cool, mais putain... Je sais pas s'il faut mettre le silencieux, en vrai. Jideo-bagaille passé droit au campus. Anis 9180. Qu'est-ce que vous en pensez? Enigma-bas de Rox passé droit au campus. Gaïa 760 passé droit au campus. Les bruits derrière. Spidex passé droit au campus.
Ayovam 68, passez droit au campus. C'est marrant quand il se lève et tout là. Pika, passez droit au campus. Zerkel, passez droit au campus. Ah, vraiment, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Si tu mets pas la tête. Yaska tiré Baniki, passez droit au campus. 22, c'est pas folition. Le nombre de dégâts? Il fait 22, c'est ça? Dabi 6, passez droit au campus. Pour moi, c'est le genre d'arme où il n'y a pas assez de balles pour viser dans la tête. Je compte pas forcément sur les balles. Nazi, elle fait que 22 dégâts. Droit au campus. Six paye, tue tes impôts. Bah bien sûr que je paye mes impôts frérot. J'habite en France. Fenrir Sul 81, passé droit. Si je voulais campus. Pas payer mes impôts, j'irais me balader. Je me barrerais à Andorre ou Malte. Hein. The Fat Monster 98, passé droit au campus. Tranquille, hein, je me chauffe. C'est peut-être pas si mal au final. C'est peut-être plus rentable que d'aller en team deathmatch, quoi. Surtout après ne pas avoir joué pendant une journée, quoi. Sacha Tireba RFL passé droit au campus. Ou bien le fameux 6 mois et 1 jour en Thaïlande. C'est quoi ça? Jova qui passé droit au campus. Tirez bazar 77, passez droit au campus. Anto, passez droit au campus. Exetra TV, passez droit au campus. BD Boy 9400, passez droit au campus. Isatix Rebanov, passez droit au campus. Niox Kishin 10, passez droit au campus. Tu vas mourir toi. Il y a une seconde pendant lesquelles on peut pas les toucher ou quoi, ou quand ils apparaissent. Non, c'est moi qui c'est pas bon. On a vraiment l'impression qu'ils sont invincibles pendant une demi-seconde. Genre là au tout début là. Alors là je tire pas dessus hein. Première balle. Non. C'est juste moi qui suis nul. Ça fait mal, ça chauffe bien le bras. Il y a un problème sur les subs 6, non? Non, non, il y a juste une personne qui a fait 100 subs du coup. Il y a juste un monstre qui est très généreux. C'est bien le Flash Hider sur la SMG 11. Ouais. Flash Hider, ouais. Ouais. Flash Hider, effectivement. Si tu vas 6 mois et 1 jour en Thaïlande, tu as une réduction d'impôt qui est légale en plus, avec résidence secondaire en France, bien sûr. Pas que en Thaïlande, d'ailleurs. Mais la Thaïlande, c'est tellement pas cher que c'est le mieux. 6 mois et 1 jour. 80, une passée droit au campus. 6 mois et 1 jour et du coup, enfin c'est quoi le principe derrière? Moi j'aime comprendre le principe, tu vois. C'est genre t'es en résidence principale en Thaïlande et en secondaire en France, non? C'est ça? C'est ça l'idée?
ceinture dans les épaules. Oh bah oui, carrément, ouais. Putain, le mec il s'allonge, ouais. Il nous donne ses couilles, quoi. Ah, je pue la merde, hein. Ah, ça fait mal. T'as, parfois j'aimerais bien ta joueur de poignet quand même, hein. J'aurais moins mal au bras. Oh la vache. À comprendre certains moves quand même, hein. Ça fait vraiment zéro dégâts, quoi. Bon, après le spray, et quand ils sont de côté comme ça là, ouais, du coup, ouais, du coup, je peux comprendre pourquoi, parce que parfois t'as l'impression de faire une tête et au final tu tires dans le haut de l'épaule qui bouge, quoi. Petite dernière, on y va. Génial, hein. Bon, c'est parfait pour se chauffer, en revanche. Oh, le bras, nom de Dieu, quoi. Oh, la séance de muscu, sérieux. Ok. Ne pas reprendre la muscu et faire de l'aim en shooting range à la COG. Je retiens. Oh, aïe aïe aïe. Merci Blood pour le fait d'être un nouvel étudiant. Merci T-Bag pour les 34 mois. Un monstre. Vas-y, let's go. J'étais pas pour le mimant, c'est le... Pour le mimant, c'est le bon plan jusqu'au jour où ils vont plus des ans. C'est comme au Japon, on soit là-bas, c'est pareil, terrain et maison, c'est pas ensemble.
Ça fait 9 ans qu'il y en a même plusieurs et pas de soucis. Après, il doit y avoir des histoires de contact, etc. Je sais pas plus. Ouais, quand tu veux acheter en Thaïlande. Ouais, je m'étais renseigné, moi. Quand tu veux acheter en Thaïlande, c'est compliqué. Merci Nivalem pour les 5 mois. Si t'es pas thaïlandais, t'as pas le droit d'avoir le terrain, quoi. Donc, tu peux te mettre avec quelqu'un, alors, avec un Thaïlandais, donc il y a quand même eu pas mal de scams, donc il faut faire gaffe avec ça, quoi. Et la propriété dans laquelle tu achètes, elle n'a pas le droit de dépasser un certain pourcentage. Genre, ça ne peut pas être plus de 50% d'étrangers, quoi. Ce qui n'est pas con en soi, quoi. Genre, dans un immeuble, il ne peut pas y avoir plus de 50% de propriétaires étrangers, un truc comme ça. 50 ou 60, je ne sais pas le pourcentage, mais... Merci Nivalem. Il y a des femmes en Thaïlande, oui, mais elles ont toutes des clitoris de 17 cm. Hein. Donc, faut aimer sucer, quoi. Mais autrement, il doit y en avoir 2-3, je pense. C'est des poules pondeuses. Il y a des femmes en Thaïlande. Ah. Qu'est-ce qui est con. Si t'es pas de taille... Si t'es pas de taille... Ah merde, j'ai vu pas de taille. Que t'es français, tu peux juste acheter la maison, mais pas le terrain. Si tu veux des terrains, tu as deux possibilités, être plein de thunes et jouer avec l'État et avoir des bons amis ou te marier. Ah ouais, vaut mieux jouer avec les amis. Moins risqué. Ils vont bannir Emerald. Et nous, on est en attaque. Hello, guys. Can we ban Sky? Because they are going to ban Emerald. You see? Love you. Putain, ils m'ont écouté. On va ban Thatcher. Ah bah non, parce qu'on est des débiles. On va ban Jackal. Ah, quand même. Ouais, si vous voulez. Franchement, Dokkaebi, c'est relou. On est d'accord ou quoi? Et là, t'es dispo, Nano, ou quoi? C'est une proposition qui tient dans l'instant T. C'est une question. Et c'est moi qui décide. Non, voilà. Eh ben, il faudra attendre la prochaine fois. Tout le monde se plaint quand Ubisoft ne sort pas de nouvelles cartes, mais personne ne souhaite apprendre les nouvelles cartes. Elles sont bannes H24. C'est exactement ce que j'ai tweeté ce matin. C'est exactement ce que... Hello guys, how are you doing? Stop. Attack first, blows. One more salty fan. We need to open the tier 1, guys. Can someone take IEM? Who do you want? Like, I don't know, Oza or anything to remove the shit they are going to put behind the main wall. Your drone to locate the bomb. Yo, Senna. Attends, je rêve. Putain, j'ai l'impression qu'il pleuvait. Ce serait cool, ça, de temps en temps, de la météo sur les maps, non? Ça pèterait un peu l'intégrité du jeu, mais bon. Careful, they have a Solis. J'ai un bon setup. 10 seconds to insertion. Take IEM with Oza. 5 seconds before insertion. 3 Claymore. Who the fuck is IEM? You know, the EMPs, sorry. Oh, well, that's what I had, but now I don't, and I couldn't switch back. It's okay. I'm gonna soft-wall the breach, but I need a soft... Good.
Oh non, 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 l'erreur. Putain, je pensais. What are they doing? Ok. You need to remove the bandit. He's careful, in the left corner, it's open. In the guys, remove the bandit here. I'll get it. Reloading! Yeah. I got my eye on you. Cam ready. Please. Nitro. No, but I actually think they threw it into the fucking rigi. Hey, it's soft, it's soft, it's soft, guys. Can someone soft reach it? Ah, 58 secondes, ça fait rien, quoi. Yo, you guys got a... Yeah, we need a soft bridge, guys. One is stairs. Stairs. Which one? Green stairs? There's a... Guys, 40 seconds, we didn't do shit. There is no one in the main stairs, so you can go forward a little bit. Monty. User is no longer in your possession. Non, mais attends, mais t'es pas blanc toi? Non, non, ça marche pas. Ah d'accord, ok, il a juste de la chatte. Il va jouer par en dessous là au Solis. Server, server. Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il s'est arrêté? Et... Bon, j'arrête de jouer les bridges et tout. Je les emmerde. C'est bon. Je vais faire des kills. Hein. Et là, Aruni flash 3 fois quoi. Qui se retourne. Juste un truc, ça sert à rien de se retourner. Hein. C'est pas sur CS. Hein. Nous ne sommes pas sur Counter-Strike. Ça ne réchère à rien du tout. Hein. C'est la range qui fait le... Ils vont jouer quoi? Au tiré X03, PC droit au campus. Hello, monsieur le proviseur. Vas-y, on s'en... Comment allez-vous aujourd'hui? Merci, Psyche, pour les 41 mois. I'm gonna try and go Jackal and just make sure we get upstairs clear. Yeah, definitely. He's going to play the Solis again, I'm pretty sure. L'effet dure moins longtemps quand tu fais direct, pas directement. Ah non, c'est la même chose. Y'a aucun changement sur le fait de se retourner ou pas. Solis Mazi. Ça ne change rien du tout. Let's anti-roam. 10 seconds. 5 seconds before insertion. Mute Solis Mazi, the last three. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. There is no spawn kill on the window. Les Oges, merci pour les 44 mois de super étudiant. T'es un monstre, poulet. JPC droit au campus. Au pétard. 44 mois de super étudiant. 44 mois et tu es toujours aussi beau et captivant. Même moi j'y crois pas, mais je t'aime 6-4-6. Merci mon poulet. One is low HP in the office. One top floor. Don't ping. Bon, je vais couper les routes. Ghost are charged live.
Ok, j'ai l'impression qu'on place des cluster charges, mais on n'a pas anti-romé. There is still Melody at the top, guys, hein. Ok. Donc l'autre il fait un jackal, mais ils n'en tireront pas. Can you check my drone here? I got it, Ash, I got it. Yeah, oh, this is gonna happen. There's probably one coming here. Okay, on va s'affairer. Allez, on y va, on s'en bat les couilles. Shoot the fucking... She's upstairs, Thorn. On the loose? Yeah, on what? Or loosey white, my bad. On flank, Ash! Dead, nice gold, bro. There was one main stairs, though. Yeah, Melusi. Melusi, where is she? The hatch is open if you just drop, Ash. The diffuser is no longer in your possession. Where? Down to inside somewhere. B. I think probably by dive. Shot drone. You shot drone towards a. Pourquoi t'as sauté? Main area where we entered. You're flying 20. Give a drone. 15 seconds. Unlucky. You've been eliminated. No. Dude, I'm getting one tapped every single fucking time. I just keep getting these crazy ass angles. Yeah. I don't know, but this doc is insane. Twice in a row, this kid has actually just shit all my nuts. Aïe aïe aïe, je te jure. Je sais pas quoi jouer. Je ne sais pas quoi jouer. Let's go avec Ash. Bon, le 1.5 c'est cool, mais c'est pas cool. Let's take the top. 10 seconds to go. 5 seconds. Proceed to bomb location and defuse it. Reloading. Je me sens tellement pas chaud, c'est horrible. One is in kitchen. Okay. Legion. Oh, I didn't get you. Where is she? Let's take the top, guys. Oh, je me sens tellement pas gauche. C'est un jackal. Okay, there is a... There is no one green stairs. There is no one server. There's one by radio on there. Server is clear. Jackal, there is no one on ping. Can someone hold my drone and stay on it? Careful, server. We need another drone. I mean, green stairs. Okay, there is a drone main stairs. Someone hold the drones. Non, tu veux pas? Je voulais pas les fils de. Recharge ready.
This soul is completely cut off my mind. Legion on 2. On what? Where? Okay. He's right here. You can swing door. He's in rotate. David rotate into mid. One top bridge. He's swinging your door. Okay, derrière le mur. Le gars a pas regardé le drone. Where? Bridge, where there is a drone. Et je meurs derrière le mur. Oh. Legion. I'm going for souls for half. It's a 2v3 on Sarah now. Soulless is fucked up, huh? That's my issue. Okay, Soulless is shit on my nuts. He's coming through Skybridge right now. One's on site, one's coming to Sarah. We have cams. Diffuser is active, protected at all costs. One friendly. Op 4, last operator standing. Okay, good try. Aïe, aïe, aïe. Merci Pézoge pour les 44 points encore de super étudiant. Je voulais replacer mon drone pour le Wamai, je me suis dit, tiens, s'il arrive, ça va être la merde. En revanche, il a fait un pré-shot incroyable sur la décale. Incroyable. Pourquoi le Jackal push? Il revient sur le site alors que le mec n'a pas diffuse. Bon, ça sert à rien de toute façon. On sait tous que, comment ça se fait. Je sais pas ce que le jeu veut me mettre avec des débiles depuis 5 jours. Quoi. Mais bon, au moins il parle, donc bon, on va pas les. C'est pas comme si moi j'étais chaud. Mais bon, là je. J'essaie même plus de comprendre. Merci le game. Rien pour tenir le terrain. Et tout à l'heure, bah, mon setup et tout, machin. À chaque fois, c'est pareil. Quoi. Oh, je cherche même plus. T'sais. Moi, vous voulez de la ranquette, je vous donne de la ranquette. J'ai même pas envie de prendre la tête. Avec le fait de gagner ou perdre. Je sais bien que c'est random, de toute façon. En fonction d'avec qui tu tombes et tout. Put a claymore at the top of you, Frost. Sensor on. Let's see what I can find. They're acing the wall. They're breaching. Specu sensor looking out. No. Fuck. No, in the hallway. Which one? Good call. That's green, by the way. Setting needle. Another one green. Where is he? Green. Magnet online. Why is that breach? One Skybridge coming across. Trying to shit a Legion. He's outside. Breach. Skybridge still pushing. Solus, you're behind him, but he's rushing. Hit. Wait, how are those He's looking at you.
J'y crois pas, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Attention, il est call. Il n'y a pas de drone. Il n'y a pas de drone. Il n'y a pas de drone. Push behind. You're actually you're going to It's right here. Il n'y a pas de drone. Si on commence par le streamer, en plus, c'est pas cool quoi. Oh, says he and he's here. Zéro drone et il y a juste la petite différence de 3 secondes. Pas entendu non plus. Et celle-là, on pourra pas la gagner. Oh, says planning behind her shield on 3 ping. Op 4, last op standing. À moins que le carry. Là pour le coup. You're actually just like the best team player I think I've ever played against. Call me king, right? Le timing de 3 secondes là, ça c'est assez symptomatique. You know, like, honestly, I'm gonna be dead ass with you. If you would let me, like, I think I would kiss you. I think I aced that round too. That's lit. Pourquoi il t'aurait pas entendu? Parce qu'il était en train de tirer. Impossible qu'il m'entende, je suis en train de marcher. No one else is allowed with my other than me. Impossible. Faut que j'alterne avec un autre compte. Qu'est-ce qu'on peut prendre du coup, sachant ça? Je peux pas aller roamer. Il était en train de fight. Il tire, se retourne. Tu te retournes sur un call, tu vois. À la limite, s'il y a un moment pendant 2 secondes, tu te dis tiens, peut-être que ça peut pusher par derrière, tu vois. Mais non, là, c'est pas un tiens, c'est un je sais pour le coup. I got so blessed with it because I didn't get immediately one tap. That's the only reason why I was able to ace. Hey. There is a drone here. Valk, I'm gonna be honest, I'm gonna barricade literally fucking everything up. Wow. 10 seconds to insertion. 5 seconds and counting. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bomb. Let's get a little bit of a rotate going right there. Be advised, Op 4 has located a bomb. Reloading! You have some Valkyrie cams? One's joining outside the basement stairs over there. One is a locker room. Locker window. Rappelling going up. You are being hunted down. I'm jackal. Careful, Frost. There's a jackal on me. Good kill. Pulling yellow. Actually, no, I'm holding bad. Fuck that. That's all three mines. There's another one coming back, yellow. Mine's hit. I'll top you. One locker window. That's your lion on yellow. Adding some protection from grenade. Back yellow says again, IQ. Let them come. That's diffuser on top yellow. Oh, stop you going. Another one, yellow stair. Jackal. Further down. Like here. Oh, nice. Nice. Remaining.
I'm coming for the res! And I'm on 4 eliminated. Mission successful. Merci Zorp pour les 6 mois de méga étudiant. Un monstre. Ouais, vas-y, prends Solis, c'est cool ça. Je sais pas comprendre. Merci les orbes, t'es un monstre, poulet, vraiment. La reprise est pas simple. Secure the area, keep the bombs protected. Dead, dead. Nice. Good trade, honestly. I think one might become red. You hold the west. We can't be affording deaths now, buddy. Many at the top. One's on top red. This hatch over here isn't gone. There's two top red. Actually, I don't know where red is. Actually, is that middle stairs? There's two red top is right. Yeah, it's gridlock and this is not looking good. It's gridlock and lock. Bro, you got this. Don't even worry. You gotta produce a push. Located a bomb. Specio sensor on. One's going down the back stairs, I believe. Jesus fucking Christ. I need some soon. Oh, we're so close. I got him. Electro sensor on. One by me. Yeah, but Lucy, you're gonna need help, Pat. Yeah, I know. Magnet deployed. Magnet ready. I have a good hold on server. He's just flying. They're all playing vert. Moose, can you flank? I can't. I killed the guy who was covering the flank. I'm trying to hold vert as best as I can. Bolstering our defenses. Nice, bro. Carrier. Oh, tree! We need sound. I'm right there. Hit the noisemaker. Okay. Right. 15 seconds. 15 seconds and bomb is down in kitchen. You just fall. Play time. He's 1 feet. To go. Just run away, woman. Run. Go hide. 5 seconds to go. Let's go! You've reached the time limit. Give me that crown! Alright, we need, like, someone that can ping Solus.
Because Solus likes to fucking roam like off of sight completely. Yeah, somebody's gonna go Jack. I'm gonna play Lion. I'm gonna play Lion all game. Guys, okay, but we need to open the T1 and don't take 2 minutes to do it. So we need Thermite and EMPs, and I'm going to take the Ace to open the server walls. But we need Thermite. And someone who's gonna be playing model and fuck the guy who's gonna be doing any shit from above. Go, like, go Capital or also with the impact EMPs. That works. Yeah, but like, okay, Zero is not. If you can go Zofia and go to model and fuck him from the bottom, from under. Wait, where? The model, you know, it looks like a little model, like the CCTV. Wait, do we need a thermite? Where is actually Do we need a thermite? Yeah, we do. Do we need thermite? So does somebody have EMPs? Because I don't. We can't like have like a last like 15 second push. That means it's just gonna all be on side again. Capitao is nice, but like if you want to set up in front of T1, you take Osa plus EMP, and it's amazing. Upstairs. Oh, Osa EMP. Yeah. I'm gonna just throw my drone. Perfect. Do we really need an ace or anything else? Like, yeah, because like opening T1 is one thing, but we are going to open the server wall to be pushing a server side and green. So pushing T1 is too complicated. That's fair. So you just fuck him from the back, just from below. Should I go buff it out? But well, back or Zofia is good. I'll just play Zofia then. They got the hatch open. They got the hatch open. Yeah, well, are they using a Cade? What is the electric thing? Is it Bandit or Cade? They don't have one. It's just Hubby. Oh yeah, no, it's literally no left. Okay, just put the back. Loading new mag. One's playing a map, like right here. Watch out for Soul. I think white. It's only white, I think. Dead. Nice, good kill. Good shit. We have time. We have plenty of time now. So we need to open the T1. No one die. You should put your Oza in front of the T1, in front of the main bridge, bro. Tuboro is in front of the bridge. He's going watch to Tuboro. Also, watch out. Well, so he's playing the. Where? Far left. No. Server is full open, guys. Okay, we just need to play. He's in the AR right corner. It's okay. If you want to push, look at the server window with your order and please hold the. Arusha's server. Arusha's server. Arusha's. Yeah, server fucked up right now. Below hatch. Below, in the hatch. Nice! Ah la vache, il donne des crédits et tout. Okay. Moi j'aime bien. Il m'écoute, il donne les calls. Rien à dire. Le truc c'est d'ouvrir le T1 et après avec le Ace là, si vous avez le contrôle du serveur, on plante en fait. Could if you want. Yeah. Which I'm gonna take the K. What did they do to open the? Yeah, play the bandit too. Yeah, we are going to open the. I'm going to put like a Cade from under, and I'm going to Cade trick from the model. We need to open the hatch. Yeah. Okay. All right, I'll impact it. I'll impact it. I'll play down there. I'll impact it. You shoot it then. I'll play down there with you. Shotgun with a Legion. He has a shotgun. I'll play down there with you, Cade, because I'll just scan for. Yeah, perfect. If you can play like bottom behind the flag in the bottom green, that's amazing. I don't know where that is, but I can try. Yeah, I'm going to show you. This is a power position here. Exactly here. Drone green. I went in kitchen. I got it. Perfect. 10 seconds left. 5 seconds left. Oh, bomb located by op 4. Victor sensor active. Don't do what they didn't spawn through. Just like straight up anchor. Set up sight. So
Someone watch my someone watch Skybridge, like Legion or Valk. Yeah. So they can't like come in like towards me. I need the banisher. Reloading. Très bon setup là. Oh, no electronics on me over. I hear one above me. Electronics. They didn't break the camera. They're breaking something over near me, kid. There's one on balcony. Claymore here. I'm not sure if they have anything to breach with. And she's in. IQ's in. IQ's in, Val. Where? 90. Two. There's another one coming in. Nading. They got server wall. They got. Fuck. I'm safe to pick up. Hey, K-Trick, hey. Bandit! Never mind, I guess I'm not. Glow is on. Oh my god, I almost just fucking reinforced it. Pending the toxins. They have the entirety of server control. Solo, swipe up below, please. I am. Running. Impact out. They're droning it. Those. One's on their phone outside the window. Which one? We have which no Skybridge at all. No, that's Skybridge. I'm gonna rotate Skybridge. I'm rotating. That's Skybridge? Might be another one. Ying. Though. I don't think it was just Nomad. That's Nomad. No, Nomad's. That's Nomad. That's Nomad. Gadget's down, give me a sec. He's green. He's got a plant. Can you tell me I got the C4? Solis, I got the C4. Got it. Oh, I'll let you know. Tell me. Are you yet? 5 seconds to go. Blow it. Right there. Nice. Yes. Easy. You're out of time. Merci, Tatol, pour les 11 mois. Bro, oh my god, thanks for the carry. I played so bad. They're good, bro. Back up. La com. Moi, s'il y a de la com. GG, guys. S'il y a de la com. Moi, je suis content. Des gens qui respectent le jeu, en vrai. Il y a de la com et de la motive. Ouais, des vrais mecs qui veulent gagner, quoi. Et qui respectent le jeu. Et voilà, quoi. Et qui s'effondrent pas après 0-3. Moi, je peux pas être en tilt à partir de ce moment-là. Je suis obligé de me ressaisir. Et derrière, on fait les trucs, quoi. Je prends mon caïd. Je vais dans mon coin. J'aide. Voilà, quoi. Après, chacun prend ses responsabilités. Ça a commencé avec un mec qui clutch, déjà. C'est pas arrivé de la semaine dernière. À chaque fois qu'il y a eu des clutches la semaine dernière, quand il y en a eu, ben, il n'y en a pas eu tout le temps non plus, mais à chaque fois, c'était moi. Jamais je suis tombé avec un mec qui avait fait un clutch en disant « Ah, vas-y, putain, la vache. » Là, il clutch. Bon, ça envoie le signal de « Il y en a un qui a envie de se la donner. » Moi, je ne laisse pas tomber un mec qui a envie de se la donner. Let's go, on y va, quoi. Je vais prendre des trucs de merde. Je vais jouer du kite en dessous. Je joue mon modèle. Je lui demande au mec avec son de jouer Solis au niveau du flag. Il est parfait. Ça évite les insertions au niveau du raid et qu'on vienne me titiller le trou de balle, quoi. Et moi derrière, je peux kite trick à peu près tranquillement en vrai, quoi. Et ils ont jamais ouvert le T1. Après, ils ont ouvert les murs serveurs, mais bon, ça, on s'en fout, quoi. Parce que s'ils ont pas le vert, s'ils ont pas le bas SK vert, le serveur, il sert à rien. Du coup, c'est très compliqué, quoi. Ils ont pas de contrôle de la verticalité positive. Ils ont une solis en dessous dont ils ont l'information pourtant. Ils sont en effet tunnel. Ils stressent. Ils se frustrent. Ils vont tout droit. Ciao. Voilà. Moi, je veux gagner le jeu de la vie, mais ma squad est pas folle et j'ai pas d'IGL aujourd'hui. C'est vrai que le Shake Opic est plus la décale au petit.
Bah, c'est compliqué, quoi. Sur Internet, chez Copic, parfois, le problème, c'est que la hitbox, elle va pas suivre derrière, quoi. Donc, tu chez Copic, toi, t'as l'impression d'avoir pris une information très, très rapidement. En hipfire, c'est bien, tu vois. C'est quand même un truc à... T'es obligé d'avoir cet outil dans, sa, dans, dans ta trousse à outils, quoi. Mais sur Internet, putain, il y a trop de fois où tu vas mourir derrière le mur parce que la hitbox, elle décale après toi, quoi. C'est chiant. C'est vraiment chiant, pour le coup. Mais ça dépend des situations, en fait. Ça dépend vraiment des situations. Si le mec, il est en plein milieu d'une salle et toi, tu chez Copic pour essayer de mettre des petits... Puis il y a chez Copic et chez Copic. Il y a chez Copic où tu vas... À la limite, donner ton épaule ou tu donnes carrément ta tête, quoi. À aucun moment, ils sont venus vous chercher avec la solice. Ah, bah, j'avoue. Ben ouais, mais bon. Ça, c'est la com, hein. Si tu t'assures la possibilité d'avoir des rotas, donc tu t'assures la possibilité de respirer, quoi. C'est ça qu'il faut faire quand vous connaissez vos games. Le fait de dire « Non, il faut qu'on respire. » Et comment est-ce que là, elle respirait, la défense? Bah, parce que le T1, déjà, n'allait pas tomber avec le Kaïd, mais la trappe était ouverte. À un moment, le bandit, il est sous pression, il peut sauter et repartir à un autre endroit, quoi.